Hey, coucou tout le monde, c'est Segalix. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo, un petit tuto sur Strange Brigade. Donc, pour résoudre les énigmes et trouver les clés scarabées sur la campagne numéro 1. Bon visionnage! Alors, première énigme. Très basique, très simple. Tu prends les logos au-dessus et tu les mets dans l'ordre en bas. Save. Ça. 1, 2. Le Gugus. Et ça. Et voilà. Alors, la deuxième énigme. Enfin, c'est une énigme. Hein, pour trouver la clé scarabée. Donc tu tires sur ces trois petites boules, 1, 2 et 3. Donc des petites hordes de monstres arriveront, hein, pour te charrier. Voilà, ça illumine ces trois logos, ça t'ouvre la porte. Derrière, tu auras les scorpions qu'il faudra se débarrasser. Et il faudra monter jusqu'en haut pour aller chercher, débloquer et chercher la clé. Voilà, là encore tu auras quelques monstres, hein, mais bon, t'as des pièges qui t'aideront à les supprimer. Et voilà la clé qui se trouve sur ce disque. Vous avez trouvé une clé scarabée. Et voilà. Et là tu vas jusqu'en bas l'activer sur la serrure. Alors, troisième énigme, une fois que tu as passé la porte avec la fameuse clé scarabée. Et tu t'es débarrassé de la horde d'ici là. Tu montes. Encore qui traîne là, tiens. Tu montes à droite. Donc là à gauche. Et tu rentres dans la grotte. Donc là c'est pareil, hein. T'as une horde de monstres. Et la porte elle se trouve ici. Donc tu l'enclenches. Les logos. Donc ne sont pas au-dessus de la porte, hein, comme tout à l'heure. Ils se trouvent ici. Alors, deux gugus, un chien, un gugus et deux, je ne sais pourquoi. Deux, un, un. Deux gugus, un chien, un gugus et deux trucs, on a dit. C'est ça. Et voilà. Voilà pour le déblocage de la troisième quête. Alors, quatrième quête de la campagne 1. Donc, là par contre, il faut trouver les logos. Hop là. Pour ça. À toi. Voilà. Il faut ouvrir la porte qui est juste là. Et il faut enclencher. Il faut tirer sur les trois yeux. Donc le premier se trouve là. Toi, hop là. M'embête pas. Voilà. Allez hop. À dégager. Non mais... Bon. Voilà. Je croyais avoir tout débarrassé, mais non en fait. En tirant sur l'œil, ça débloque les monstres. Voilà. Allez. Le deuxième, il se trouve là. Le troisième se trouve là. Voilà. Là, vous allez visiter la salle. Oui.
attaquant traître, t'es vilain. Pas beau ça. Voilà. On va pas perdre notre temps avec eux. Hein. Dans le coin. Oh yeah. Et voilà. Bon, c'est bon, vous avez fini de nous emmerder là. Bon. Là, on débloque la clé scarabée. Mais les logos sont ici. Alors, on va dire que c'est scarabée, scarabée. Je ne sais pas quoi. Scarabée. Rond. Je sais pas. Hop là. Scarabée, scarabée. Je sais pourquoi. Scarabée. Un rond. Et je sais pas que. Allez. On va les déjà débloquer. Voilà. Alors. On prend le petit pistolet. Scarabée. Scarabée, je sais pas quoi. Scarabée, et voilà. Donc voici pour l'ouverture de cette énigme. Et puis bah, pour la clé des scarabées. Donc il fallait venir l'activer là. Voilà, ce qui débloquait hein, toute une horde de monstres. Et donc vous. Hop là. Vous l'avez vu. Donc elle se situe dans la porte au fond à gauche que nous avons débloqué en tirant sur les trois, on va dire, 10 yeux, je sais pas comment on appelle ça. Et voilà, vous avez trouvé la clé scarabée. Bon, une fois la porte ouverte, nous avons une salle avec une énigme pour l'ouvrir et encore une petite énigme à côté. Donc là, c'est très simple. Il y a. On va prendre le pistolet. Voilà. Il y a un point lumineux rentrant et il faut relier pour rejoindre le point lumineux sortant. Donc il suffit simplement de trouver la bonne combinaison, donc déjà, à partir de là, hop. Voilà, et voilà, c'est très simple. Donc ici. Ça s'est débloqué. Ensuite, pour débloquer la pièce, alors il suffit de marcher sur les logos qui correspondent à ceux qui sont allumés. Alors, baby. Ah oui, je suis con, j'ai raté. J'ai été chercher l'autre en fait. Voilà, donc là, les couteaux. Ensuite, les deux, je sais pas quoi là. Demi, je sais pas quoi. Le triangle. Le chien cocher. Le truc est dans nous. Et voilà, nous avons accès à la salle. Darbin. Et nous avons. Il nous manque un chat. Et le chat qui nous manque, normalement, est par ici. Donc, en petit bonus, vous allez avoir l'ouverture de la salle au chat. Avec le chat doré. Yeah.
Et là, c'est la caserne d'Alibaba. Allez hop, 500. Voilà, dans la première salle, le chat. Et voilà pour le premier niveau, la première campagne, donc toutes les énigmes, bon bah après voilà, ça reste basique, hein. Je vais dupliquer ce genre de vidéo sur chaque campagne, donc je vais attaquer la prochaine sur la campagne numéro 2. Donc dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas, hein, si ce genre de vidéo vous plaît ou pas, ou si vous en souhaitez dans d'autres styles. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Prochaine vidéo de ce style sur la deuxième campagne. Donc pensez au pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao, bye bye, c'était Sigalix.